Ça doit aller mieux comme ça. Bonjour, est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Désolé, c'est erreur technique de ma part. Merci, j'attends encore 2-3 minutes. On démarrera parce qu'on a un petit temps assez réduit. Vous êtes déjà une quarantaine, je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'attends Christophe Marchais, donc directeur général adjoint d'ADN Tourisme. Et puis on va démarrer. Désolé, on va démarrer. Juste un petit problème de connexion du côté de Christophe Marchais, donc à ADN, qui arrive. Toutes nos excuses. Ça y est, Christophe nous a rejoint. Bonjour Christophe, désolé pour ce petit souci de démarrage de notre côté. Bonjour Rodolphe, pas de problème, pas de On va problème. pouvoir démarrer. Bonjour à Merci à tous et à toutes. tous.
Merci à tous pour votre présence. Donc, on est une petite quarantaine ce matin pour ce webinaire de présentation des travaux des indicateurs du tourisme responsable qui ont été menés par ADN Tourisme. Je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement, tout a fonctionné correctement. Je vais démarrer pour vous donner quelques petites consignes rapides. Donc, on est là, on est ensemble pour une demi-heure. Un petit webinaire donc, qui terminera autour de 10h30. Comme vous l'avez constaté, vos micros sont désactivés. On vous demandera d'utiliser le module QR que vous devez avoir en bas de votre écran pour poser vos questions. On a prévu deux temps dédiés de réponse et ne vous inquiétez pas si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos interrogations, on le fera bien évidemment par la suite à l'issue du webinaire. Et puis vous l'avez vu également, normalement vous avez une petite alerte, donc le webinaire est enregistré, ce qui nous permettra de partager un replay également auprès des personnes qui n'ont pas pu être présentes parmi nous aujourd'hui. Ce qu'on va voir ce matin, donc je commencerai par laisser la parole donc à Christophe Marchais, qui est directeur général adjoint d'ADN Tourisme, pour mot de bienvenue et un petit peu de présentation. J'enchaînerai ensuite, donc moi c'est Rodolphe Brenier, je suis chargé d'études à ADN Tourisme, je vous présenterai nos travaux, donc il y aura des petits points méthodologiques que j'essaierai d'être le moins long possible, mais il est important que vous compreniez un petit peu notre cheminement et le pourquoi du comment, et en tout cas comment on a fait pour aboutir à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je vous présenterai le guide synthétique des indicateurs du tourisme responsable qui sera mis à votre disposition. Juste avant, un petit temps de conclusion et de clôture. Donc, nous aurons à la fin du temps méthodo et à la fin de la présentation du guide un temps de réponse à vos questions. Donc, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir formuler dans le module questions-réponses. Donc, on va démarrer. Donc, je vais te laisser la parole, Christophe, pour le petit mot introductif et je t'en remercie par avance. Merci beaucoup, Rodolphe. Bonjour à tous, bonjour à tous de nouveau et désolé pour ce petit problème technique de démarrage. Alors, je vais aller très vite, hein. Je vais essayer de gagner un peu de temps sur la présentation d'ADN Tourisme. ADN Tourisme est une fédération qui est née il y a 4 ans maintenant, c'était le 11 mars 2020, et c'est le regroupement de trois anciennes fédérations qui existaient précédemment, la fédération OTF, Fédération des offices de tourisme de France, la fédération des comités départementaux, tourisme et territoire, et la fédération des comités régionaux du tourisme, destination région. Donc ces trois fédérations poursuivaient à peu près les mêmes objectifs, et donc il nous est apparu évident de se réunir et de ne faire qu'une seule fédération, ADN Tourisme, donc qui est née le 11 mars 2020. Alors dès le départ, dans les valeurs d'ADN Tourisme, il était bien noté tout ce qui concernait le tourisme responsable, un tourisme responsable et de qualité. Et ces choses-là se sont affirmées encore un petit peu plus en 2021, quand on a mis en place le manifeste qui a été présenté à notre congrès d'Agen. Et ce manifeste du tourisme responsable avait tout un ensemble d'actions qui étaient listées à l'intérieur de ce document. Et ces actions, elles ont été menées petit à petit par la fédération et par l'ensemble de l'équipe que je remercie. Parmi ces actions, il y a par exemple le challenge des territoires insoupçonnés. On a eu la troisième édition l'année dernière, avec la remise des prix qui s'est faite lors de notre congrès qui s'est déroulé au Puy du Fou. L'objectif étant d'inciter avec cette action nos adhérents à proposer des offres qui soient plus responsables encore et qui sortent des sentiers battus, donc qui permettent de répartir les fréquentations sur le territoire. Une autre action qui a été menée, c'est le guide des démarches de labellisation en tourisme responsable. Ça a été coproduit avec Acteurs du tourisme durable, ATD. Ce sont 50 labels, démarches, certifications qui ont été étudiées à la loupe, qui ont été décortiquées, et tout ça pour essayer d'aider les prestataires dans les territoires à choisir celui qui leur correspond le mieux. Et puis, nous avons sorti aussi la charte de l'hospitalité qui a été diffusée à partir du mois de mai 2023, c'était à Tours, donc autre action qui était listée dans ce manifeste.
Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, il était envisagé de réfléchir et de mesurer autrement l'activité touristique. Et donc, c'est ce qui a donné lieu au travail qui va vous être présenté par Rodolphe, repenser, élargir la mesure de l'activité touristique, évaluer plus largement l'impact du tourisme en définissant de nouveaux indicateurs. C'est le travail qui a été mené par le groupe de travail indicateurs du tourisme responsable, et je les en remercie. Et c'est un travail qui a été synthétisé, qui a été mis en forme, qui a été mis en œuvre par Rodolphe, et je le remercie tout particulièrement, et je lui laisse la parole. Merci Christophe. Donc, je vais effectivement vous présenter un petit peu le cheminement et le résultat de nos travaux. Je rebondis, Christophe nous parlait il y a 30 secondes du groupe de travail qui a travaillé sur cette thématique. Donc, vous les avez à l'écran. Donc, on a des représentants du réseau. Donc, on a 10 structures qui étaient présentes. On a voulu pour ce groupe de travail une certaine représentativité en termes d'échelon. Donc, on a effectivement des offices de tourisme, des comités départementaux du tourisme et des comités régionaux du tourisme. Et on a également voulu une représentativité en termes d'espace. Espace, donc un peu de l'urbain, du rural, de la montagne et du littoral. Donc, c'est vraiment ce qu'on avait et c'est ce qui a fait la force de ce groupe qui a permis d'aborder un petit peu toutes les problématiques du tourisme responsable. Donc, ça, c'est le groupe, on va dire. Final, on a eu des petits mouvements, des personnes qui ont dû quitter le groupe en cours de route. Et puis, on n'a pas travaillé qu'entre groupes. Je vais vous le développer un petit peu juste après. On a également des structures qui sont intervenues à des moments clés selon les thématiques qu'on abordait, des structures membres du réseau ou des structures extérieures. Je pense à l'ADEME ou à Orange, par exemple, qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Et je vous remercie d'être avec nous. Alors, nos travaux, nos enjeux, notre conviction, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui se contenter d'observer comme hier l'activité touristique. Voilà, Christophe l'a expliqué. Enfin, on a quand même des gros changements en termes touristiques. Hein. Le Covid est quand même passé par là. Ça a été quand même un virage dans les fréquentations, dans les habitudes en termes de tourisme. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a réfléchi sur ces nouveaux indicateurs. Notre ambition, c'est vraiment de faire en sorte que l'ensemble des observatoires touristiques prennent mieux en compte la dimension responsable dans leur production pour que l'observation, qui est un véritable outil d'aide à la décision, soit vraiment adaptée aux enjeux. Et notre proposition, avec toute la modestie qui nous incombe, c'est vraiment mettre à disposition des indicateurs du tourisme responsable qui viennent compléter l'observation classique. On est vraiment sur une démarche pragmatique qui s'est faite avec et pour le réseau ADN Tourisme, qui s'appuie sur l'existant, on va en parler juste après, et qui est compatible à l'ensemble des échelons et des espaces. Vous l'avez vu aussi quand je vous ai décrit la composition du groupe de travail, on avait vraiment à cœur que l'ensemble des trois niveaux qui représentent la fédération puissent appliquer ou mettre en œuvre les indicateurs que l'on a sélectionnés. Alors, on n'est pas parti de rien. Parce que le tourisme responsable existait, notamment sur ses aspects indicateurs. On n'était pas face à un no man's land, on s'est appuyé sur l'existant. Donc, il y a eu un gros, gros travail de benchmark initial. On a trouvé énormément de choses qui existaient déjà du côté à tous les échelons, échelons européens, échelons même mondial, échelons national. Je pense au guide d'ATD sur mesurer autrement sa performance touristique. ATD qui est présent parmi nous aujourd'hui, je les en remercie. Des initiatives locales aussi par beaucoup de nos adhérents qui avaient déjà travaillé sur la thématique, qui avaient publié des choses, des chiffres clés, des assises, voilà, tout un tas de choses. Donc on s'est nourri un peu de tout ça. On a tout mis sur la table et ça a été vraiment le point de démarrage de nos réflexions. Ensuite, quand on a mis réellement les mains dans le cambouis, on a défini un certain nombre de critères de sélection des indicateurs. Ce qu'on souhaitait, c'est qu'ils soient qu'ils soient simples et pertinents. On souhaitait qu'ils soient applicables à tous les échelons, donc les trois échelons qui composent la fédération, du communal au régional. On souhaitait qu'ils soient comparables entre échelons. Et du coup, homogène, l'aspect benchmark était vraiment important pour nos adhérents. C'est vraiment quelque chose qui a aussi motivé nos travaux.
On souhaitait des indicateurs qui prennent en compte l'ensemble des dimensions du tourisme responsable, donc la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Et ce qu'on espérait aussi, c'est d'avoir des indicateurs qui puissent être stables et durables dans le temps. Bon, même si on n'a pas forcément de visu là-dessus, on a essayé de partir sur des choses, on va dire, assez classiques et innovantes en même temps, sous couvert que les données restent disponibles le plus longtemps possible. Ces données, on les a souhaitées en open data au maximum, ou sinon très très peu onéreuses, parce qu'on a beaucoup d'indicateurs, vous allez le voir, et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire à nos adhérents de dépenser des grosses sommes pour obtenir un indicateur spécifiquement. Et puis, si on n'est pas en open data, on part aussi sur le principe de fichiers facilement récupérables. Et donc, une fois qu'on a eu mis sur la table l'ensemble des indicateurs que l'on souhaitait, on est parti à la recherche de sources de données. Exercice pas toujours facile, hein, comme je vous le disais, des données en open data ou facilement récupérables ou très peu onéreuses. On est enchaîné sur une phase de test et d'expérimentation à tous les échelons. Et c'est à l'issue de ces phases de test que on a validé ou pas l'indicateur retenu et en tout cas la source nécessaire pour alimenter l'indicateur. Une grande partie des sources qu'on a sélectionnées s'appuient sur des marques, des labels ou des référentiels, c'est-à-dire on est vraiment sur une offre touristique qui existe, qui est répertoriée, pardon, et qui est aussi accessible à tous. C'est pas qu'on n'a pas eu le choix, mais aujourd'hui, il fallait qu'on s'appuie sur des choses observables. Donc, effectivement, on renvoie vers un certain nombre de choses existantes répertoriées ci et là par voilà, des marques, des labels qui existent et sur des choses qui sont disponibles. Aujourd'hui, donc, on a rendu notre première copie, sachant qu'on est sur des travaux qui sont évolutifs. Donc, nos travaux ont duré 2 ans. On a démarré, le premier groupe de travail s'est réuni au mois de mars 2022. On a eu un rythme assez soutenu de 22 réunions sur 2 ans. Le réseau a été destinataire de la synthèse des travaux. On avait fait une présentation intermédiaire en juillet 2023 et on a rendu la dernière copie au mois de mars. Pour finir avec une proposition de 92 indicateurs, la mise à disposition aux membres du réseau d'ADN Tourisme de 2 livrables qui ont été créés par et pour eux, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on a 33 indicateurs dans la dimension environnementale, 19 dans la dimension sociale et 40 dans la dimension économique. Donc, voilà un petit peu pour les aspects méthodaux. J'ai fait vite, je suis désolé. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le module QR. Christophe, je ne sais pas si tu vois apparaître. Juste une remarque judicieuse concernant les Outre-mer qui n'apparaissaient pas dans le groupe de travail, mais à laquelle j'ai répondu que les Outre-mer avaient des spécificités qui méritaient une réflexion toute particulière et donc que ces éléments-là seraient pris en compte. Effectivement. Merci pour votre remarque. Pas d'autres questions. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter les livrables qui ont été produits suite à nos réflexions. Je vais d'abord te laisser peut-être introduire rapidement, Christophe. Oui, très, très vite. L'idée, c'est agir sans observer. C'est un peu, et c'est une phrase de Rodolphe, donc je lui redonne, c'est un peu comme naviguer sans boussole. Donc l'idée, c'était de pouvoir vous permettre d'agir dans les territoires, de pouvoir vous emparer de ces données. Alors quand je dis vous, c'est vous avez vu qu'il y avait deux aspects. Il y a l'aspect adhérent, puisque nous sommes là pour travailler pour nos adhérents qui nous font fonctionner, qui nous permettent de fonctionner justement en tant que fédération. Ceci étant, il y a des éléments qui pourront être partagés plus largement. Tout cela, c'est pour aider les territoires effectivement à être dans une véritable démarche d'analyse, d'étude de ces indicateurs pour pouvoir développer et développer sur ces éléments qui sont on ne peut plus importants. Voilà, je te laisse la parole, Rodolphe. Je ne veux pas être plus long. Effectivement, donc le réseau a 2 livrables que vous voyez en haut de l'écran, un livrable technique détaillé et un livrable pratique sous forme d'un fichier Excel, donc réservé aux membres du réseau. Ce qu'on propose aujourd'hui à nos partenaires dont vous faites partie, hein, c'est un livrable synthétique, donc que je vais vous présenter désormais.
Donc, que comporte ce document? Donc, un petit préambule. Donc, il reprend l'ensemble des éléments que j'ai abordés dans la première partie, hein, le pourquoi, du comment, les enjeux, les clés de lecture, les sources, les thématiques non retenues, parce qu'on n'a pas pu aller partout, mais ça, je vais y revenir. Et ce que vous verrez, c'est qu'on a trois niveaux d'indicateurs. On a des indicateurs retenus qui apparaissent en vert. Ces indicateurs, ils répondent à l'ensemble des critères que l'on s'est fixés. Rappelez-vous, quand on a sélectionné nos indicateurs, donc on est sur de la source open data, disponible à tous les échelons, comparable entre structures. Enfin voilà, ce qui est en vert répond précisément à tout et est applicable par tous. On a des indicateurs en jaune qu'on a appelés les indicateurs complémentaires, qui nous ont paru essentiels pour notre thématique, mais pour lesquels aujourd'hui, on ne coche pas toutes les cases en termes de critères. On les a laissés parce qu'ils sont importants. On retrouve par exemple dans les indicateurs complémentaires tout ce qui est bilan carbone des destinations. Aujourd'hui, on n'est pas sur de l'open data, on n'est pas forcément sur de la disponibilité à tous les échelons. Voilà, donc c'est important, c'est une demande du réseau, mais en l'état, aujourd'hui, plusieurs réponses sont encore disponibles qui répondent pas à l'ensemble des critères définis par le groupe de travail. Et puis on a des indicateurs en veille, tout simplement pour lesquels on n'a pas trouvé de réponse à l'heure actuelle. C'est enfin, de réponse, voilà, toujours répondre selon nos critères. C'est tout ce qui concerne la satisfaction client, par exemple, ou tout ce qui concerne des données liées aux déchets, à la gestion de l'eau, qui sont hyper importants. Mais en l'état, on n'a pas de source nationale harmonisée et disponible pour tous les échelons qui représentent la fédération. Ce guide, il est divisé donc en trois parties. Il représente les trois dimensions, donc la dimension environnementale, la dimension sociale et la dimension économique. Donc, dans la partie dimension environnementale, donc vous retrouverez 33 indicateurs. 12 retenues, 12 complémentaires, 9 en veille, répartis en 4 sous-thématiques qui sont les hébergements, les activités éco-responsables, les destinations éco-responsables, la consommation énergétique et les ressources naturelles, l'impact carbone, les mobilités et la qualité de l'air. Alors, je ne vais pas vous lister les indicateurs puisqu'on vous mettra le document à disposition dans la journée sur notre site ADN Tourisme. Je vous mets quelques exemples au tableau. Enfin, à l'écran plutôt. Donc, typiquement, on a un indicateur qui concerne le volume annuel d'hébergement éco-labellisé. On a retenu 5 labels pour ce faire. Donc, vous voyez à l'écran l'exemple de Provence Tourisme sur l'année 2023. On a un indicateur qui concerne la densité touristique annuelle. Donc, avec l'exemple de Tourisme Bretagne au tableau, 60 lits touristiques au kilomètre carré. On a l'exemple du volume annuel de destination éco-responsable labellisé 4 fleurs, villes et villages fleuris. Alors, ce qui me permet de faire une petite aparté, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a examiné les sources, on allait vers les choses qui étaient le plus responsables possible. On a décortiqué un certain nombre de labels, de marques, et ce qui nous a permis un petit peu de les retenir ou de ne pas les retenir selon ce qu'on trouvait en termes de critères durables dans les critères d'attribution. Typiquement, Ville et Village Fleuri, pour le moment, le groupe de travail a souhaité retenir uniquement les 4 fleurs, puisque c'est vraiment à ce niveau-là, qu'on a vu une réelle démarche, un réel engagement de la destination en termes de tourisme responsable. On l'a moins vu sur les niveaux 3, 2 et une fleur. Je ferme la parenthèse. Et on a également un autre indicateur donc qui concerne le volume annuel de kilomètres de voies cyclables en site propre. Et là, on a l'exemple de l'Office du tourisme du pays de Saint-Jean-de-Monts qui a à peu près 90 km de voies cyclables en site propre. Donc ces indicateurs, ils sont posés sur une année. Donc là, on est sur 2023-2024, hein, on est sur du démarrage. L'intérêt, ce sera bien évidemment de les suivre chaque année pour les destinations. Et comme vous le voyez à l'écran, ici, je vous ai mis que des exemples d'indicateurs retenus. Donc ils sont verts, ils répondent à tous nos critères et donc ils sont disponibles pour l'ensemble des échelons. Deuxième dimension, c'est la dimension sociale. Donc cette dimension, elle est composée de 19 indicateurs. 6 retenues, 10 complémentaires et 3 encore en veille. Nos sous-parties ici concernent tout ce qui est relations habitants-touristes, tout ce qui concerne le tourisme inclusif, le tourisme de proximité, les ressources humaines et le tourisme social. Donc pareil, je ne vous liste pas les 19, je vous mets 3 exemples à l'écran.
Exemple de label, donc volume annuel de structure labellisée tourisme et handicap, bien évidemment, dans le volet social, avec l'exemple de Provence Tourisme à l'écran. Nombre d'établissements agréés pour accepter les bons VACAF, 24 structures dans l'exemple de Seine-Maritime Attractivité. Donc là, on est sur deux indicateurs qui sont en vert. Et nombre de sites acceptant les chèques vacances, donc l'exemple de l'ADT de la Champagne, avec 460 établissements qui acceptent les chèques vacances. On est sur un indicateur en jaune ici, parce qu'on ne descend pas en dessous de l'échelon départemental. Enfin, dernière dimension, pas des moindres, c'est la dimension économique, un peu plus conséquente que les autres. Et comme vous le constatez, on a 40 indicateurs qui sont proposés dans cette dimension. On en a 10 qui sont retenus, on en a 26 qui sont complémentaires et 4 en veille dans les thématiques donc, qui traitent l'offre touristique, les performances de la fréquentation, les caractéristiques de la fréquentation, des aspects dépenses et recettes. Les emplois et la satisfaction client qu'on a mis en évidence dans cette partie-là, mais qu'on a laissé en veille, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. À titre d'exemple, donc on a volume total d'hébergement, hôtel, camping et autres hébergements collectifs de tourisme sur une source INSEE. On a l'exemple de l'Isère à l'écran. On a la répartition de la fréquentation dans l'espace. Exemple d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc répartition en montagne, en urbain, en rural. On est sur un indicateur en jaune parce que ici, typiquement, c'est quelque chose qui relève d'une étude particulière qui a un coût, donc qui ne sera pas malheureusement accessible à tout le monde, mais qui nous semble essentiel en termes d'indicateurs durables. On a ensuite le montant annuel des investissements touristiques, l'exemple du CRT Sud PACA à l'écran, pareil en jaune puisqu'on est sur une étude payante. Et on n'est pas forcément disponible à tous les échelons. Et enfin, des aspects emploi. Donc, on en a plusieurs. Je vous ai mis à l'écran le volume annuel d'emploi salarié touristique. On est sur une source sur SAF ici, avec l'exemple d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme à l'écran. On a pris le parti de ne pas vous lister parce que ça aurait été un peu trop ennuyeux, je pense. C'est une idée de ce que vous des indicateurs que vous pourrez trouver dans le livrable qu'on va mettre à votre disposition juste ensuite. On avait prévu un autre temps d'échange à ce stade. Christophe, je t'écoute. Oui, alors j'ai un remerciement. Bravo pour cette belle démarche. Ça nous vient d'Isabelle Nativelle. Merci Isabelle. Merci, merci beaucoup. Et puis j'ai une question de Caroline Romay. Vous n'avez pas retenu d'indicateurs bleus comme France Station Nautique ou Pavillon Bleu. Quelles sont les raisons? Nous avons pavillon bleu, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vous ai pas tout mis à l'écran, hein, vous verrez ensuite par la suite. Le deuxième, Station nautique. en station nautique, alors je ne saurais pas vous le dire là comme ça, parce que ça c'est l'aspect environnemental qu'on a traité il y a à peu près 2 ans. S'il n'est pas là, c'est qu'il ne répondait pas à l'ensemble des critères. Je pense qu'on est peut-être plus sur un aspect représentativité territoriale. France station nautique, je pense qu'on est uniquement littoral. Pavillon bleu, on est sur tous les espaces. On peut avoir des pavillons bleus en montagne, par exemple. Voilà, j'espère pas dire de bêtises. C'est juste ma petite mémoire qui me permet de vous répondre ça. Alors, j'avais aussi une question d'Isabelle Nativelle. Sur le plan environnemental, est-il prévu d'élargir aux autres acteurs que l'hébergement et activité? Il y a, vous le verrez, il y a la restauration. Également, on a de bons espoirs d'avoir quelque chose sur des sites ou des lieux de visite. Voilà, il se passe des choses, donc on est en veille aussi sur cette thématique-là. Mais oui, on n'a pas que les hébergements, effectivement. J'ai une question d'un spectateur anonyme. Dans le cadre de nos entreprises, comment mettre en pratique ces indicateurs? Alors, vous l'avez compris, je pense, nos indicateurs, ils sont surtout à destination des destinations, un mauvais jeu de mots. Voilà, on est très axé territoire. Et effectivement, alors si entreprise est dans le sens hôtel ou camping ou je ne sais quel autre hébergement ou structure, ça sera un peu. Et ça répond pas à cet objectif. Nos indicateurs ne répondent pas à cet objectif-là. Vous l'avez compris, nos adhérents sont les territoires.
Et on est parti sur, enfin, notre objectif, c'était d'avoir des indicateurs pour les territoires. Ensuite, par contre, si vous êtes un privé, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre organisme de gestion de destination, donc soit votre office, soit votre département, votre ADT, soit votre CRT, qui lui, vous pourrez bosser avec lui pour avoir ces indicateurs à l'échelle de votre territoire. C'était un petit complément d'information de la part d'Isabelle Mativel qui pensait aussi aux acteurs de la distribution quand il y avait la question sur tout à l'heure sur les autres acteurs autres que hébergement et activité. Qu'est-ce que vous entendez, Isabelle, par acteur de la distribution? On va avoir la précision. Pendant ce temps-là, je dis bonjour à Julien, qui nous envoie un bravo et qui va aussi en faire bon usage pour le projet Très France porté par ATR avec le soutien d'Atout France. Merci. Merci. Merci Julien. J'ai Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour et bravo pour ce travail. Je confirme qu'il y a des pavillons bleus en montagne. Ça, c'est la confirmation par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure. Rodolphe, Isabelle précise donc par distribution les agences. Alors non, on n'est pas allé sur ce terrain-là. On n'a pas d'indicateur spécifique aux agences en l'état. Mais bon, je vous le dirai juste après, hein, nos indicateurs sont évolutifs. Mais bon, je vais y revenir. Donc, ça, on pourra voir ça peut-être avec les entreprises du voyage d'ailleurs. Entreprises. Agence et tour opérateur. Et puis, on a une petite remarque complémentaire de Julien, projet dont le comité de pilotage est constitué à parité par des opérateurs de voyage, membres d'ATR et des organismes de gestion des destinations, membres d'ADN et d'ATD. Le tourisme responsable et bas carbone en France doit reposer sur la synergie entre TO et OT. On est tout à fait d'accord, on est convaincu que les acteurs du tourisme institutionnel ont une vraie place à jouer. En ce qui concerne ces sujets, comme bien d'autres d'ailleurs. J'ai pas d'autres remarques. Bah écoutez, voilà, afin de ne pas trop déborder, je vous propose de quelques petits mots de fin, donc qui reviendront un petit peu sur ce que je viens de vous dire. Donc, je vous l'ai déjà dit, ça va dans le sens aussi des questions. Il y a des indicateurs et des thématiques dans cette première version du guide, parce qu'on est vraiment sur un temps zéro, qui peuvent faire défaut, qui pouvaient être abordés de manière trop succincte. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de l'impact carbone, de tout ce qui est déchets, de consommation d'eau. Donc clairement, on s'est cassé les dents hein, sur ces thématiques, je ne vous le cache pas, mais voilà, le groupe de travail est toujours là. Il reste en veille et en alerte, donc on a espoir de pouvoir débloquer un certain nombre de situations dans les prochains mois sur ces thématiques-là. Typiquement, je note aussi tout ce qui concerne les entreprises de voyage, hein, comme Isabelle nous l'a suggéré. Et le travail en collaboration avec l'ATR qui a été souligné à plusieurs reprises. Oui, effectivement. Nous, on a mis à disposition du réseau reste au stade de proposition. Donc oui, on a un peu plus de 90 indicateurs qui sont proposés. Chacun a son propre tableau de bord, mais chacun est libre de suivre ceux qui préfèrent au final. Ils peuvent tout prendre, ils peuvent en prendre qu'une partie, ils peuvent en rajouter. Voilà, c'est libre vraiment à chacune des destinations. On a fait ce tronc commun quand même pour l'aspect benchmark, parce que c'était vraiment une demande du réseau, une demande des observatoires, une demande des directions et des gouvernances. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a proposé ce socle, mais après, libre à chacun d'adapter ses indicateurs. Et on n'est pas allé non plus sur le terrain de l'évaluation des politiques publiques, parce que là, c'est pareil, on a estimé que c'était libre à chaque OGD de rajouter ou pas des indicateurs liés à cette thématique. Le groupe de travail, il reste mobilisé. Donc, il reste en alerte en termes de suivi de sources, parce qu'effectivement, on a une sélection aujourd'hui. Peut-être que demain, les sources ne seront plus en open data, ne seront plus disponibles. Il y en a peut-être des nouvelles qui vont apparaître, qui vont nous permettre soit d'améliorer nos indicateurs, soit d'en rajouter des nouveaux. Donc, on reste en veille permanente. Et voilà, tout ça pour améliorer. Donc, on est vraiment sur un temps zéro. Le réseau nous fait remonter petit à petit. On commence à avoir des utilisations, des utilisateurs. Les points positifs, les points négatifs, donc qui nous permettent aussi, nos groupes de travail, de nous nourrir et d'aller vers une phase d'amélioration.
suite à, voilà, suite à cette première parution. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, moi, pour terminer. Je peux peut-être, Christophe, te laisser le mot de la toute fin. Oui, un petit mot très rapide. Par rapport aux remarques que j'ai pu voir, effectivement, le travail qui est mené par ADN Tourisme n'est pas un travail qui a volonté d'être un travail en solo, et on est prêt à expérimenter. Je reprends les mots d'Emmanuel tout à l'heure, Emmanuel Bobin, que je salue. On est prêt à expérimenter, on est prêt à travailler. Ce qui est important pour nous en tant que fédération des organismes institutionnels du tourisme, c'est de positionner aussi ces organismes dans un certain nombre de thématiques sur lesquelles, pour certains, ils n'y étaient pas ou ils n'y étaient pas. En le sachant complètement, parce que certains le faisaient malgré tout. Et donc, vous avez vu que c'était un travail par le réseau, pour le réseau, mais qui a bien volonté à être partagé. C'est une démarche qui, par ailleurs, est évolutive et Rodolphe vous l'a expliqué. Moi, je voudrais saluer le travail et le sérieux de ce travail, parce que vous avez vu que c'était 2 ans. On est sur des gros chantiers qui sont en train d'aboutir. Vous avez pu voir que l'année dernière, on a sorti aussi les travaux de la commission prospective, et c'était des travaux qui avaient pris pratiquement 3 ans. Donc, on est sur des chantiers qui ont été engagés en même temps que la création de notre fédération. Et l'objectif, c'est, vous l'avez saisi, c'est de comprendre et de saisir justement les enjeux majeurs du tourisme. Et puis de doter les territoires d'outils qui sont adaptés justement aux mutations de cette filière. Mais vous l'avez saisi aussi, l'idée c'est bien de partager, d'expérimenter. Je souligne le travail qu'on a mené avec ATD sur les différents labels, mais ces partenariats-là et ces collaborations-là, ADN Tourisme, ça fait partie aussi de sa feuille de route, c'est de travailler largement avec tous les opérateurs qui sont engagés sur ces sujets-là. Soyez-en assurés. Et un grand merci, Rodolphe, un grand merci au groupe de travail. Vous pourrez retrouver tout cela sur notre site adn-tourisme.fr. Et Dans la puis, journée, je me dans permets. la journée, oui, c'est ce Voilà. que tu as dit tout à l'heure, effectivement. Et puis, vous pouvez aussi contacter Rodolphe à la Fédération ou contacter nos adhérents, en tout cas ceux qui ont travaillé sur le sujet, mais pas que, puisque l'idée, c'est de partager avec eux. Donc, ils auront des éléments. Et quand vous parliez tout à l'heure d'organismes privés, comment ils pourraient s'investir sur ce sujet, ben c'est aussi de travailler avec les structures Office du tourisme, comités départementaux de tourisme et comités régionaux répartis sur l'ensemble du territoire. Un très très grand merci aussi à vous d'avoir pris du temps ce matin pour venir écouter ce qui a été présenté par Rodolphe. Et puis, ben, sachez que notre porte est largement ouverte et que l'on aura plaisir à échanger avec vous sur ces sujets, comme sur bien d'autres d'ailleurs. Très belle journée à vous. Un grand merci Rodolphe. Encore un merci de Merci. travail. Et puis, ben, nous faisons que démarrer une autre aventure, c'est qu'après la réflexion qui a permis de sortir ce guide synthétique des indicateurs, et bien maintenant c'est de le voir se diffuser petit à petit dans les territoires. Et ce sera grâce à vous. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup, merci à tous.